Bienvenue sur Jazz Contrebasse, la chaîne de conseils et cours en ligne pour apprendre la contrebasse jazz. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le lien en bas à droite de l'écran et activez les notifications pour être tenu informé à chaque parution d'une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cette contrebasse. Ce n'est pas la mienne, c'est une contrebasse que ma luthière m'a prêtée. La mienne est en réparation dans son atelier. J'avais envie de faire une petite revue parce que je trouve que c'est des super petites contrebasses. C'est des contrebasses de fabrication chinoise. Qui, quand la luthière les récupère, elle refait un chevalet, elle refait une âme, elle replanifie la touche, le scier, elle fait ses réglages pour que la basse soit vraiment optimum à jouer quand vous l'achetez. Elle est vraiment tip top. Je trouve que c'est des instruments qui sont très bien réglés, qui sont vraiment de bonne manufacture pour des instruments d'usine. Euh, la finition est très jolie, le manche est agréable à jouer la trouve assez égale partout, dans les graves et dans les aigus. Franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est des instruments qui ne coûtent que 3500 euros, livrés avec une petite housse et un archet premier prix. Et franchement, le rapport qualité prix, il est vraiment cool. Quand on veut s'acheter une première contrebasse ou on, on en a une en contreplaqué un peu vieille qui sonne euh, plus ou moins et qu'on veut commencer à s'acheter une basse entièrement massive, euh, ces premiers prix là, des fois, on a des jolies surprises parce que c'est c'est des instruments qui sont robustes, qui sont costauds. Et c est, c est, la plupart du temps, c'est quand même ce qu'on recherche, entre autres, en dehors de la sonorité et en dehors de, de, de l'esthétique et tout ça. On veut une basse quand même qui est robuste, qui n'a pas trop de fêlures, qui n'est pas fracassée, qu'on va pouvoir trimballer, qu'on va pouvoir garder longtemps, qui n'est pas fragile, etc. Dans des instruments de ce prix-là, euh, je trouve franchement que c'est un super rapport qualité-prix. Donc c'est une contrebasse chinoise, une 3/4, avec une longueur de corde vibrante de 104 cm. La table est en épicéa. Les éclisses, le dos et le manche sont en érable. Le sillet, la touche et le cordier en ébène. On est vraiment dans du bois, dans du bois noble. Et du, du bois de bonne qualité aussi. Vraiment. Je vais maintenant vous faire une petite démo pour que vous puissiez entendre comment elle sonne, cette contrebasse. Je vais vous faire ça que en pizz. Parce que je ne suis pas un grand joueur d'archer et que je n'ai pas envie de, de trop compromettre le son de la basse. Euh, le jeu de cordes qui est monté dessus, là, c'est des Spirocore Weich, les Thomastics Spirocore. C'est un jeu vraiment standard, tout le monde connaît ça. C'est monté sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de basses. Euh, pour le plaisir, je vais monter un autre jeu. Donc à la fin de la vidéo, je vous ferai aussi une petite démo avec un jeu complètement hybride. C'est la marque Innovation. Ça s'appelle des cordes qui sont. C'est le modèle Rockabilly. C'est des cordes qui sont faites plus ou moins pour slapper, mais ça marche aussi très bien pour le jazz, pour le vieux style. Euh, ça, ça va vous donner un peu une idée de comment elle sonne la basse avec un jeu de cordes vraiment trad, qui growl, euh, tout en métal, comme les, les Spirocore, et puis un jeu synthétique, parce que les jeux innovation, c'est de la fibre synthétique dedans, et c'est euh, filé en un genre de, genre de plastique nylon, un genre de matière comme ça. Quoi. Donc euh, vous aurez vraiment un vraiment un, un, un aspect de la basse avec deux jeux de cordes différents et ça peut être je pense que ça peut être intéressant Voilà, vous avez vu Ça sonne super. Hein Pour une petite contrebasse chinoise comme ça, franchement je trouve que c'est cool hein, à ce prix-là. Euh, c'est bien équilibré, ça sonne partout, c'est confortable. Vous vous en rendez pas forcément compte, mais moi je la joue, je peux vous dire que c'est confortable. Euh, je vous conseille vivement, si vous avez voilà, un budget entre 3 et 4 000, euh, d'aller chez le luthier du coin en premier lieu. Allez voir le luthier, allez essayer des basses. Vous avez beaucoup beaucoup de chance que, que ce luthier, il est une contrebasse chinoise ou maintenant il y a aussi beaucoup des contrebasses des pays de l'Est, des contrebasses roumaines qui sont dans ces ordres de prix-là. Et de bonne manufacture, des contrebasses d'usine mais très bien finies, très bien faites, réglées et adaptées pour le jeu par votre luthier. D'accord Ça c'est indispensable si vous vous amusez à acheter une basse... Euh, dans les premiers prix que vous pouvez trouver, sur les, dans, vous savez, dans les... Je ne vais pas les citer, mais les grands les, les magasins, les magasins qui vendent par correspondance, qui vous vendent des bignou en des, des contrebasses premiers prix, massives, quand même beaucoup moins chères des fois que... Ouais, beaucoup moins chères que 3500 euros, euh, vous risquez d'avoir des sacrées surprises. Juste simplement dans le fait qu'il va falloir obligatoirement repasser chez luthier. Il va vous falloir un nouveau jeu de cordes, parce que les jeux de cordes qu'ils donnent, c'est généralement vraiment pas terrible. Et puis va... Bah, <coughs> Il va falloir faire refaire un cheval et il va falloir faire refaire l'âme. La... Tout ce que le luthier fait quand il reçoit cet instrument pour qu'il soit réglé vraiment de manière optimum, vous ne le trouverez pas dans ces instruments-là que vous allez acheter sur Internet. C'est à ce prix-là, je parle. Après, je ne sais pas, ils en vendent des très très chers, là c'est autre chose, je ne je, je sais pas du tout, mais des instruments premier prix comme ça, qui viennent d'usines, qui récupèrent eux dans leur magasin et qui vous envoient, vous avez peu de chance d'avoir quelque chose de bien réglé. Donc, il faudra repasser chez le luthier et ça va vous coûter un billet en plus et au final, vous allez vous retrouver... Dans les mêmes ordres de prix. Donc, allez chez votre luthier, le luthier du coin, parlez-lui, essayez des basses et puis euh, laissez-vous tenter parce que franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment des, des bons petits instruments <coughs> solides et vous allez faire un bon bout de route avec. Ne quittez pas tout de suite. Je vais vous faire la petite démo avec les cordes d'innovation. Comme ça, vous allez entendre un peu la différence de jeu. Ça va être fun. Euh, si mes vidéos elles vous plaisent une nouvelle fois, pensez à vous abonner. Partagez, likez, laissez-moi des commentaires si vous avez des questions sur ce genre de basses, sur pourquoi je fais une revue, on ne sait jamais. Je vous juste je vous le dis, je n'ai aucun intérêt de quoi que ce soit. Ça me fait juste plaisir de le faire. Euh, je trouve rarement des revues comme ça sur Internet, des gens qui présentent des basses, qui en parlent. Je trouve pas beaucoup de contenu comme ça sur les contrebasses et, euh, et je m'étais dit tiens pourquoi pas faire une petite revue de cette contrebasse là. Euh, je vais vous, quand même vous laisser les coordonnées de ma luthière, son atelier. C'est à Nice, donc pour ceux qui sont dans le quartier, vous, vous pouvez aller la voir. Mais une nouvelle fois, ça vous le trouvez. Normalement, ces instruments-là, vous les trouvez chez tous les luthiers partout en France. Que ce soit des luthiers qui sont qui sont qui sont des restaurateurs, des, qui règlent les instruments, ou même des luthiers qui fabriquent des instruments. Ils possèdent aussi ces contrebasses-là pour les vendre justement aux gens qui sont intéressés et qui n'ont pas un gros budget et qui veulent commencer à avoir un instrument correct, massif. Allez, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo et puis euh, je vous souhaite de bien vous amuser et de bien jouer et de faire sonner des grosses notes bien graves. À très bientôt, ciao ciao.